Bonjour à tous, chers participants à ce séminaire international du programme Apprendre, se professionnaliser en collaborant. Je suis Afsata Paré Kabore, je suis professeur titulaire en sciences de l'éducation à l'université Norbert Zongo à Kourougou, c'est au Burkina Faso. Je coordonne par ailleurs le groupe thématique d'expertise 6 du programme Apprendre, groupe thématique chargé des questions de renouvellement de la formation initiale. J'ai donc la charge d'animer cette dernière demi-journée de notre séminaire qui s'est intéressée aux dynamiques collaboratives entre enseignants en Afrique francophone. Ces dynamiques renvoient à des collectifs d'enseignants qui se constituent, qui collaborent, qui évoluent avec pour objectif de se former, de se professionnaliser, avec pour souci d'améliorer leurs pratiques pour de meilleurs apprentissages des élèves. Au cœur de cette professionnalisation, c'est l'analyse de leurs pratiques réelles et qui est en jeu. Alors, 3 jours durant, vous avez été ainsi là avec nous pour suivre des conférences, des présentations et analyses de cas, des témoignages, pour interagir aussi en posant des questions. Merci encore pour votre participation. Le séminaire a débuté, bien entendu, le 23 février avec des approches théoriques de la question de la collaboration entre enseignants pour se professionnaliser. C'est ainsi que nous avons eu le mardi dernier, le mardi 23 février, la conférence d'ouverture du professeur émérite Marguerite Alté, qui nous a entretenu sur le thème suivant, enseignants, acteurs collaboratifs au centre de la professionnalisation. Cette conférence a été suivie d'échanges avec les auditeurs participants. L'approche théorique s'est poursuivie le 24 février avec une intervention sur l'état des connaissances sur les communautés d'apprentissage professionnel par les professeurs Muka Murira et Dambélé. Après cette intervention, le séminaire a changé de ton pour s'orienter davantage vers des questions plus pratiques avec une série de présentations de cas de collaboration entre enseignants pour se former, de témoignages, d'analyse de cas de la demi-journée du 24 jusqu'au 25 février. Alors, ces études de cas sont en provenance de différents pays. Il a été question de l'expérience du travail collaboratif des enseignants de mathématiques du secondaire au Bénin. Il a été question de la collaboration entre les enseignants dans les collèges de proximité en Côte d'Ivoire, de la communauté d'apprentissage et développement professionnel des enseignants du fondamental au Mali, la redynamisation des cellules d'animation pédagogique dans le cadre du projet d'amélioration de l'éducation de base en Casamance, ça c'est au Sénégal, et de l'expérience des animations pédagogiques par les enseignants de même cycle ou même de domaine d'apprentissage dans des réseaux scolaires au Burundi. À travers toutes ces expériences qui ont été relatées, c'est des exemples de cas concrets de collaboration entre enseignants, des enseignants motivés à s'améliorer, motivés à se professionnaliser et motivés à améliorer les apprentissages donc, des enseignants. Alors, toujours dans le cadre de ces études de cas-là qui ont été présentées, il y a toujours eu des moments de questions-réponses avec l'auditoire, des questions-réponses dynamiques aussi, qui nous permettent de compléter nos informations et nos expériences sur les questions de la collaboration entre les enseignants. Nous voilà donc rendus à la dernière demi-journée du séminaire. Je vous y souhaite encore la bienvenue. Alors, cette session comprendra 3 moments. Alors, autant nous avons eu une conférence d'ouverture, autant nous aurons une conférence de clôture qui sera prononcée tout de suite donc par le professeur Witorski en vidéo. Il va traiter de la professionnalisation des enseignants entre formation et travail. Alors, le professeur Richard Witorski est professeur des universités du CNAM, Conservatoire national des arts et métiers à Paris, et il est le référent scientifique du groupe d'expertise thématique 1, du programme Apprendre, à savoir professionnaliser les acteurs de l'éducation, professionnaliser les acteurs de l'éducation, bien entendu. Alors ça sera le premier moment. Le deuxième moment
comme d'habitude, ça sera la traditionnelle rubrique questions-réponses. Vous aurez l'occasion d'en poser des questions et nous aurons un panel d'éminents professeurs qui vont y répondre, même si nous ne garantissons pas d'avoir la possibilité de répondre à toutes les questions. Nous espérons que les réponses qui seront données aux questions sélectionnées seront édifiantes pour l'ensemble donc, des participants à ce séminaire. Ça, c'est le deuxième acte. Le dernier acte, ça sera enfin le mot de clôture final du séminaire qui sera prononcé par M. Adotv, que vous avez rencontré plusieurs fois à l'occasion de ce séminaire, en tout cas pour ceux qui ont été assidus. Voici un peu en guise d'introduction à cette dernière demi-journée de notre séminaire. Et donc, sans plus tarder, nous allons ensemble entendre le professeur Witorski sur la question de la professionnalisation des enseignants entre formation et travail à la suite de cette intervention donc, qui est en vidéo. Nous aurons l'occasion d'échanger à travers vos questions. Alors, je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie tout d'abord de m'accueillir parmi vous. Je m'appelle Richard Witorski, je suis membre du conseil scientifique du programme Apprendre et professeur à l'Université de Rouen en France. Je propose ici une conférence de clôture du séminaire international qui est intitulée « La professionnalisation des enseignants entre formation et travail ». Alors pourquoi ce titre ? Ce séminaire international a lui-même pour titre « Se professionnaliser en collaborant ». Il permet de partager des expériences de mise en œuvre de collectifs enseignants, de regarder comment ces expériences contribuent à la professionnalisation des enseignants. Cette conférence a justement pour intention de resituer la collaboration comme étant une des voies de la professionnalisation et de donner à voir les autres voies possibles. Commençons donc par quelques convictions fréquentes qu'il conviendrait d'interroger. Première conviction fréquente, il est souvent considéré qu'une bonne formation initiale suffit à jeter les bases de la préparation d'un bon professionnel, l'expérience sur le terrain faisant ensuite naturellement le reste avec le temps. Mais est-ce suffisant ? Deuxième conviction fréquente, les compétences professionnelles se construisent d'abord sur le tas et non en formation, la formation étant réservée au savoir. Il y aurait alors une ligne de fracture entre la formation qui permettrait d'apprendre des savoirs et l'exercice professionnel qui permettrait seulement de développer des compétences. Mais est-ce aussi simple ? Troisième conviction fréquente, les compétences se transfèrent d'une situation à l'autre, automatiquement ou naturellement. Or, là encore, la plupart des travaux sur le transfert montrent que cela ne va pas de soi. J'ajouterai maintenant quelques constats de départ. L'organisation des dispositifs de professionnalisation, particulièrement la formation initiale des futurs professionnels, repose souvent sur une conception des rapports formation-travail de type successif, c'est-à-dire l'idée que l'on doit d'abord apprendre en formation les bases du métier avant de les transférer dans les classes avec les élèves. On peut appeler cette conception des rapports formation-travail comme relevant d'une conception successive qui est en réalité très inhibante car elle repose sur l'idée fausse qu'il suffit d'acquérir des savoirs en formation pour ensuite pouvoir les utiliser en classe. Comme le montrent de nombreux travaux, l'expertise professionnelle se construit en réalité au fil de l'expérience par une sophistication de l'intuition, comme disent certains auteurs, c'est-à-dire une complexification croissante de ses façons de faire au gré des situations, sans toujours que l'on s'en aperçoive et donc sans qu'on puisse les mettre en mots. De sorte que l'on produit beaucoup de métiers en travaillant, qui souvent nous éloignent de plus en plus de notre formation initiale. En quelque sorte, il ne resterait plus grand-chose des effets de notre formation initiale après quelques années. Nous serions d'abord et avant tout le produit de notre expérience de terrain. Mais cette expérience de terrain qui fait ce que l'on est comme professionnel est souvent fondée sur des apprentissages ou des compétences très incorporées, devenant rapidement des routines,
qu'il convient donc de réfléchir pour faciliter leur adaptation, leur modification, leur transfert ou encore leur communication. Dès lors, on peut affirmer que le développement professionnel relève de plusieurs voies qui ne conduisent pas aux mêmes apprentissages. D'une part, la formation magistrale est une première voie, pourrait-on dire, qui relève souvent, et de façon trop schématique, sans doute, d'une logique dominante d'assimilation, intégration de savoir. Elle permet d'apprendre des savoirs scientifiques et techniques, ceux qui sont censés être utiles pour agir. Mais ces seuls savoirs ne suffisent pas, ils ne sont pas directement transférés dans les pratiques. 80% de perte de ces savoirs selon de nombreux travaux. D'autre part, une seconde voie est ce que l'on pourrait appeler l'apprentissage sur le tas, qui permet de développer des apprentissages incorporés par les gestes, par le corps, par les affects, par les émotions. Ces apprentissages sont des apprentissages incorporés car ils sont issus d'ajustements successifs dans le fil de l'activité sans s'en rendre compte. En effet, l'action a pour premier objectif d'aboutir à un résultat. Et quand on agit, on ne réfléchit pas toujours à ce que l'on fait tant que cela fonctionne. On réfléchit à ce qu'on fait, à la manière de faire quand il y a un problème. Ces apprentissages incorporés sont donc difficiles à mettre en mots, à dire et à expliquer, ils sont donc peu transférables et peu communicables. Une autre voie de développement professionnel relève de l'analyse du travail, ou ce qu'on appelle parfois l'analyse des pratiques, ou encore l'analyse de l'activité. Elle consiste à engager les personnes à porter un regard après coup sur leurs pratiques professionnelles, permettant ainsi de les désincorporer. Elle permet donc d'apprendre sur ses pratiques en vue d'être capable d'ajuster ensuite ses façons de faire et de les transférer dans d'autres situations et les communiquer à d'autres personnes. Une autre voie est communément appelée celle de l'accompagnement, du tutorat. Elle permet de transmettre d'un professionnel expérimenté vers un novice un certain nombre de compétences, mais également elle favorise la construction de l'identité professionnelle au sens de l'image de sa propre place, mais aussi les valeurs du métier. C'est en effet l'effet du tiers, de l'accompagnateur, du tuteur, que de favoriser des déplacements, des pas de côté, pour aider l'accompagné à voir autrement le métier et les situations professionnelles. Tantôt, on constate que ces voies fonctionnent de façon séparée, conduisant chacune de ces voies à développer des apprentissages spécifiques, par exemple lorsque l'on constate qu'un professionnel apprend sur le tas son métier sans formation. Tantôt, au contraire, ces voies se combinent. C'est le cas, par exemple, de la formation par alternance, qui combine formation magistrale, apprentissage sur le tas, analyse de pratique, accompagnement. Cette voie de l'alternance formation-travail permet alors de construire des apprentissages plus complexes et davantage conscientisés et transférables, communicable à condition que le dispositif organise les liens entre ce que les personnes vivent dans les classes lors de leur stage et ce qu'ils apprennent en formation. Pour faire un lien direct avec la question centrale posée dans ce séminaire concernant la collaboration, celle-ci se situe dans plusieurs voies. Elle peut concerner les équipes qui travaillent ensemble, développant ainsi des apprentissages collectifs incorporés au fil de leur activité sans s'en apercevoir réellement. Elle peut également prendre la forme de groupes d'analyse du travail ou des pratiques, ou des moments de débriefing après une activité collective. Le schéma qui apparaît maintenant donne à voir ces différentes voies rapidement présentées. Au centre, vous avez l'indication que le développement professionnel renvoie à une ou plusieurs voies, parfois combinées. L'enjeu de la professionnalisation consiste, selon moi, à combiner et non pas opposer ces différentes voies. Penser la professionnalisation des enseignants consiste à organiser les voies et justement les combinaisons de voies propices à la construction des apprentissages visés. En effet, selon les apprentissages visés, des voies différentes de construction sont à l'œuvre. Je prendrai par exemple deux types d'apprentissage professionnel concernant le métier d'enseignant. On constate que l'apprentissage des faits historiques pour un enseignant d'histoire peut difficilement se faire sur le tas, car les faits historiques sont par définition révolus. Rien de mieux qu'une bonne formation magistrale pour apprendre ces faits. Par contre,
un autre apprentissage plus complexe pour l'enseignant est d'apprendre à se positionner par rapport à sa hiérarchie, mais aussi par rapport à ses élèves, selon probablement deux postures ou deux positionnements différents, voire opposés. Cet apprentissage ne s'acquiert pas par une formation magistrale qui expliquerait comment faire. Il se construit dans la combinaison de plusieurs situations, donc de plusieurs voies. Il convient d'abord d'avoir vécu une rencontre avec des enfants pour sentir comment ajuster sa parole, son rythme. De même, il convient d'avoir vécu une rencontre avec un inspecteur pour sentir ce qui est en jeu de façon différente dans cette situation. Ensuite, l'analyse de pratique permettra de mettre en mots sur ces expériences, ces expériences permettant ensuite d'être plus disponible pour écouter en formation magistrale des conseils permettant d'ajuster ces deux positionnements professionnels différents. Dès lors, on voit bien que certains apprentissages professionnels nécessitent des combinaisons de situations apprenantes et non pas le fait de travailler dans une seule et même situation. Au total, cela revient donc à concevoir une ingénierie de la professionnalisation qui consiste à identifier les apprentissages professionnels visés, c'est la première étape, et ensuite à identifier les voies ou combinaisons de voies susceptibles de favoriser leur construction. Cela suppose de se défaire d'une conception successive des rapports formation-travail dont nous avons parlé au début de cette intervention. Pour adopter une conception plus itérative des rapports formation-travail, conduisant à gérer des parcours de professionnalisation continue, nécessitant que les formateurs diversifient leur rôle, certes des apports de contenu à certains moments, mais alternés avec l'accompagnement de parcours individuels, également le développement d'un rôle de tiers permettant la décentration à d'autres moments. Cela nécessite également que les formateurs se rapprochent des situations professionnelles et des acteurs de l'environnement professionnel, invitant les formateurs à développer des pratiques de collaboration plus importantes avec le terrain. Le projet de professionnalisation étant alors distribué, pleinement distribué, entre l'espace de la formation et l'espace du travail. En conclusion, la professionnalisation des enseignants nécessite probablement de se demander quelles sont les contributions respectives des situations de travail à l'apprentissage du métier. C'est ce que j'ai essayé de montrer ici. Cela interroge directement les voies de la professionnalisation au métier d'enseignant, considérant qu'elles sont multiples au-delà de la formation formelle des enseignants. Je terminerai mon propos en disant qu'un chantier demeure largement ouvert et potentiellement riche, celui de la façon dont les situations de travail peuvent être l'occasion de développement professionnel. Cette question demeure souvent un point aveugle. Mieux les identifier et les comprendre devrait permettre ensuite de mieux accompagner leur mise en œuvre. Je vous remercie. Ok, alors merci beaucoup au professeur Witorski pour cette importante intervention. Merci à Mathieu de nous l'avoir fait visionner. Alors donc, c'est très important comme intervention, ça, parce que nous avons eu les 3 jours évidemment de séminaire, beaucoup de choses ont été discutées théoriquement, pratiquement aussi. Et donc, je retiens de cette synthèse-là, de cette intervention, qu'au-delà des perceptions différentes que les uns et les autres ont de la formation, de la professionnalisation des enseignants à travers peut-être une formation initiale, à travers une formation qui dote les futurs enseignants du savoir éventuellement théorique. Il y a aussi, au-delà de tout ça, une façon de percevoir le développement professionnel de l'enseignant qui ne statue pas à travers une seule façon de faire, mais qui procède à des combinaisons de formation magistrale, d'analyse, de pratique, d'accompagnement, etc. Et je retiens de cette intervention-là qu'il ne s'agit pas de faire une option, mais de faire une combinaison à voir de manière itérative et pas seulement de manière successive. Alors, je retiens un maître mot aussi, la sophistication de l'intuition qui vient avec la pratique. J'ai retenu ça me semble une expression
assez intéressante aussi, qui va nécessiter discussion, parce qu'il s'agit de la sophistication de l'intuition qu'on a du mal à mettre en mots, selon l'expression donc du conférencier. Alors, bon, il termine par la nécessité d'une ingénierie de la formation professionnelle qui est à développer. Et je pense que tout ça, ça va susciter certainement des discussions. Je vous annonçais tout à l'heure un panel de professeurs qui vont tenter de répondre à vos questions, d'échanger donc avec vous. La phase de questions est bien entendu ouverte. Nous allons les recevoir au fur et à mesure. Et donc, ce groupe de panel est constitué du professeur Alté, que vous avez vu au cours de ce séminaire, du professeur Muriel Nicole Guillorel, du professeur Martial Dambélé, du professeur Amadou Gueysey, professeur Joséphine Mukamurira. Je pense que tous ces professeurs, vous avez eu l'occasion de les rencontrer le long de ce séminaire. Alors, je vais peut-être déjà leur laisser la parole en attendant que les questions nous parviennent, leur laisser la parole pour que, bon, ils se présentent un peu plus que ce que je dis là. Je n'ai fait que dire les noms. Et je pense que le public qui nous écoute n'a pas toujours peut-être été là pour savoir qui est qui. Je pense qu'on peut prendre le temps de 2 minutes pour que chacun puisse intervenir, se présenter. Et puis peut-être, bon, dire son premier ressenti par rapport à cette intervention donc du professeur Utoski. Alors, je sais pas par qui on commence. Bon, ben j'ai dit le nom de Marguerite Alté en premier. Maggie? Oui, bonjour à toutes et tous. Bon, Marguerite Alté, professeure émérite de l'Université de Nantes. Donc, j'avais fait la conférence d'ouverture sur les pratiques collaboratives au cœur de la professionnalisation. Donc, déjà, dans mon propos, j'illustrais cette idée d'itérativité entre les moments de formation et puis les pratiques réelles sur le terrain, puisque pour moi, c'est ce que font les acteurs dans leur travail qui leur permet de se professionnaliser, bien sûr en lien avec des apports théoriques, un accompagnement, un leadership pédagogique. Mais il me semble que les pratiques collaboratives sont justement d'ores et déjà dans cette combinaison travail-formation dont parle Richard Witorski. Bon, je ne sais pas si je vais aller plus loin. Okay. Je réponds aux questions. D'accord. Merci, Maggie. Quelqu'un d'autre, je ne sais pas, Muriel Nicole. Oui, bonjour, Muriel Nicole Guillorel. Voilà, je suis la coordonnatrice du groupe technique d'expertise lecture, écriture et langue d'enseignement. Et pour en lien avec le séminaire, j'ai eu l'occasion de travailler en Casamance dans le cadre du programme PAEPCA qui a été présenté hier. Et par rapport à l'intervention de Richard Witorski, effectivement, la mise en place des cellules d'animation pédagogique visant à développer le travail professionnel collaboratif permet aussi d'être dans un moment fort au niveau de la professionnalisation. Et ça pose effectivement toute cette question de comment être réflexif par rapport à sa pratique. Quel accompagnement on met en place aussi dans les cellules d'animation pédagogique pour favoriser cette réflexivité? Voilà pour un premier point. D'accord. Ok, Martial. Martial, tu me diras s'il y a d'ailleurs un nom que j'ai oublié dans ce panel-là ou bien si j'ai cité tout le monde. Parce qu'il y a eu des développements plus tardifs que je n'ai pas peut-être suivi. Ok. Ouais. Je ne sais pas qui d'autre est là. Peut-être Joséphine est là, probablement. Oui, je l'avais cité, oui, d'accord. Ok. Ouais, Martial. Joséphine est là. Voilà. Donc, moi, c'est Martial Dambélé. Je suis professeur à l'Université de Montréal, à la Faculté des sciences de l'éducation. La question de la collaboration est une question qui m'intéresse depuis longtemps. Dans les échanges hier et avant-hier, j'ai mentionné
un travail que nous avons fait en Guinée pendant presque une décennie. Et personnellement, j'ai pendant 5 ans créé et animé ce que j'avais appelé à l'époque un groupe de soutien et de recherche par les praticiens au Burkina Faso que j'ai animé pendant 5 ans. Donc, ce sont des questions qui m'intéressent au plus haut point. De l'intervention de Richard que j'ai trouvé vraiment stimulante et intéressante, il y a peut-être 2 choses qui ont retenu mon attention. La première, c'est la production du métier dans le travail, qui pour moi indique que la formation initiale est nécessaire, mais insuffisante. La deuxième idée, c'est celle de la combinaison des voies de professionnalisation. On dit que la formation ou les activités de formation ne sont pas les seules voies de professionnalisation. Donc, il faut réfléchir à d'autres voies. Et je pense que Richard nous a donné plusieurs indications dans ce sens-là que j'espère que nous discuterons. Et je termine par la piste de recherche qu'il a mise de l'avant, à savoir les situations de travail comme voie de professionnalisation qui demeurent ce qu'il a appelé, je ne me rappelle pas exactement le terme qu'il a utilisé, mais en tout cas, qui demeure un point aveugle dans la recherche. Donc, je crois que dans les années à venir, dans les pays bénéficiaires, ce serait intéressant de porter des travaux sur cette question. Merci. D'accord. Ok, merci Martial. Alors, je suppose que M. Gaysay aussi est là. Oui, je crois que je l'ai aperçu tout à l'heure. Et puis aussi Joséphine Mukamurere. Bon, on a constaté qu'elle est là aussi. Avant que vous interveniez, M. Gay, je profite de lancer une question ici, au cas où ça vous plairait en même temps d'y répondre. C'est la question de Franck Yamego qui demande ceci. Dans l'exposé du professeur Witorski, il a parlé de professionnalisation et de développement professionnel. Quelles sont les différences entre ces deux concepts? Monsieur Gay, je vous laisse la parole déjà pour vous présenter et puis bon, faire comme les autres et si vous voulez y répondre, sinon on continue le tour. Merci. Merci beaucoup. C'est Eladji Amadou Gaysay. Donc, je suis membre du groupe thématique d'expertise sur le travail collaboratif. Donc, je suis en même temps coordonnateur du projet d'amélioration de l'éducation des Bahaïs en Casamance. Et nous avons eu à beaucoup nous intéresser sur cette thématique de travail collaboratif, notamment dans le cadre de la redynamisation des cellules d'animation pédagogique. C'est donc là, surtout la dimension formation qui nous a préoccupés dans le cadre de ce travail collaboratif au niveau de ces cellules d'animation pédagogique. Mais je pense, comme on l'a dit, il y a plusieurs types de cellules. Il y en a au niveau zonal, mais aussi il y a des cellules qui sont développées au niveau des écoles, donc autour des équipes pédagogiques. Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'il y a aussi à s'intéresser sur tout le travail collaboratif qui est mené entre les enseignants d'un même établissement autour d'un projet pédagogique. C'est en ce niveau-là qu'on va voir véritablement la collaboration dans le cadre de l'exercice d'un métier d'enseignant. Parce que là, à ce niveau-là, on va voir que le groupe va s'intéresser un peu à l'élaboration d'un diagnostic pour voir la situation de l'établissement, à dégager des stratégies, à se répartir des rôles, à mettre en œuvre des activités pour atteindre des résultats qui, en général, concourent à l'amélioration de la réussite des élèves. Donc, je pense que cette dimension de la collaboration au niveau de l'établissement et autour d'un projet pédagogique constitue en fait une dimension de la professionnalisation qui contribue un peu à la formation continue en même temps des enseignants. Et c'est là le développement professionnel continu dont il s'agit. Donc, pour faire la différence, cette professionnalisation de manière générale, en général, on l'obtient dans le cadre de la formation initiale, mais surtout en formation continue, c'est le développement professionnel continu. Donc, à ce niveau-là, c'est l'acquisition de nouvelles compétences. Et si ça se fait maintenant dans le cadre d'un travail collaboratif, on est vraiment en plein cœur de notre thématique. D'accord. Merci beaucoup. J'espère que M. Yamewo est satisfait. Alors, avant de
de laisser la parole donc à professeur Muka Murira. Alors, je profite de lancer aussi une question, professeur. Donc, l'auto-formation, c'est la question de Rafiki Mohamed Saïd. L'auto-formation en milieu de travail dans une classe peut être comparée à celle du milieu de travail d'entreprise en matière de professionnalisation. C'est une question, est-ce que ça peut être comparé? Voilà. Et donc, bon, en attendant, madame professeure, vous prenez la parole juste pour vous présenter et puis ben, dire votre ressenti. Bonjour tout le monde, merci de me donner la parole. Alors, mon nom c'est Joséphine Mukamurera. Je suis professeure titulaire à la faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke. Je suis docteur en psychopédagogie. Et j'ai longtemps travaillé en formation des enseignants pour le secondaire, mais à l'origine, j'étais aussi enseignante du primaire. Alors actuellement, je suis responsable des programmes facultaires d'études supérieures en recherche, donc maîtrise et doctorat. Et je suis également directrice de l'axe insertion professionnelle dans un centre d'excellence ici au Québec. Okay. Et j'en profite pour dire que j'ai apprécié de voir que dans certains pays, justement, ils ont la préoccupation pour la phase d'insertion professionnelle pour accompagner, aider les enseignants débutants à l'intérieur des communautés d'apprentissage ou des cellules d'animation pédagogique. Alors, j'ai présenté aussi un état des lieux sur les communautés d'apprentissage professionnel à partir d'une recension des écrits. Et je crois que c'est un travail qui pourra profiter à la bonification, l'amélioration, la consolidation des communautés d'apprentissage dans les pays de l'AIF. Merci. D'accord. OK. Alors, merci beaucoup, professeur. Alors, je reviens à un certain nombre de questions. Une question, celle de M. Rafiki Saïd Mohamed. L'auto-formation en milieu de travail dans une classe peut-elle être comparée à celle du milieu de travail d'entreprise en matière de professionnalisation? Ça, c'est une question. Je vais donner aussi une deuxième question qui est de Ali Ngomri. Voilà. Il dit ceci, depuis hier, j'ai une question en travers de la gorge. Les analyses qui sont exposées ici portent sur la dynamique humaine. Je voudrais que quelqu'un parle du développement des contenus concernés et de la relation entre la formation continue des enseignants et les progrès des élèves. Bon, voilà, donc c'est une observation et c'est une question en même temps. Alors, Amougou nous dit ceci, comment concrètement peut-on capitaliser les réalités professionnelles dans l'amélioration des prestations des enseignants? Action formelle ou informelle? Bon, c'est vrai que ça se situe quand même dans l'intervention du professeur Witorski. Alors, bon, notre collègue Patricia Nebout dit ceci, l'ingénierie de formation peut-elle être contextualisée? Et enfin, je vous donne la question de Fatou Sané. Serait-il possible d'intégrer le travail collaboratif déjà dans la formation initiale des enseignants pour plus d'efficacité? Je me souviens que cette question-là était revenue dans une des séances antérieures. Voilà, je vous ai lu toutes les questions comme ça. Je suppose que vous avez pris note et bien chacun pourra réagir. Bon, et on s'assurera que toutes les questions ont eu des réponses, hein. Je ne sais pas qui voudrait commencer. OK. Alors, je vois plusieurs personnes se présenter. C'est Maggie, c'est Martial ou c'est Joséphine? Mais, rapidement, par rapport à la dernière question, c'est-à-dire de l'intégration du travail collaboratif dans la formation initiale. Elle a été abordée, je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier. Tout à fait. Quelqu'un avait posé la question et la recommandation qui était faite, effectivement, c'est qu'il faudrait que dès la formation initiale, que les étudiants ou en tout cas les futurs enseignants soient, exposés à cette voie de professionnalisation qui est le travail collaboratif. Autrement dit, que dans les activités
qu'ils sont amenés à réaliser dans les cours, que la dimension collaborative soit intégrée. Mais je pense aussi qu'à travers les stages qu'ils font sur le terrain durant leur formation, à supposer que l'école où ils sont placés fonctionne en communauté d'apprentissage, je pense que c'est une façon en tout cas de les acculturer à cette façon de travailler. Donc, c'est tout à fait pertinent de penser qu'on pourrait intégrer le travail collaboratif dans la formation initiale. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons entendre professeur Alté. Oui, je voulais répondre à la question lien formation continue, progrès des élèves. On l'a vu dans les pratiques collaboratives, l'intérêt de la mise en place de ces pratiques collaboratives, c'est qu'il s'agit de répondre à des besoins diagnostiqués au plus près des pratiques et du terrain. À partir du moment où la formation continue est une formation de proximité qui répond à des difficultés rencontrées par les enseignants dans leur classe, elle va porter sur les problèmes d'apprentissage et donc c'est le lien qu'on essaie de faire. Elle vise l'amélioration des apprentissages et donc des résultats des élèves. Je pense que c'est l'intérêt des pratiques collaboratives et de toute cette conception de la formation continue comme une réponse à demande et non pas une offre de formation continue. Si on répond à la demande des enseignants sur le terrain, eh bien évidemment, on va plus facilement répondre aux besoins des élèves et on l'espère à l'amélioration des résultats et des progrès au progrès des élèves. Voilà, je pense que c'est bien à faire. D'accord. Merci beaucoup, Maggie. Joséphine demandait à compléter la réponse donnée par Martial tout à l'heure. Oui, effectivement, c'était une excellente question, à savoir, est-ce qu'il est possible d'intégrer la collaboration dans les pratiques de formation? Il me semble que c'est même essentiel. On peut pas penser qu'on va apprendre à collaborer une fois qu'on est rendu dans l'exercice de la profession ou du métier. Mm-hmm. Ici, par exemple, au Québec, le référentiel de compétences de 2001 a été revu pour intégrer justement deux compétences qui concernent la collaboration en équipe pédagogique, mais également la collaboration avec les partenaires divers, tels que les parents, tels que d'autres partenaires sociaux. Puis également, dans les pratiques de formation, c'est bien important aussi de mettre en place des travaux d'équipe bien, bien coordonnés pour apprendre les uns des autres et donc commencer cet apprentissage-là. Et moi, comme j'enseigne aussi des cours relatifs aux approches pédagogiques, aux théories de l'apprentissage, c'est bien important également de proposer la planification de situations d'apprentissage interdisciplinaires où les étudiants de différents profils, parce que moi j'enseigne par exemple aux étudiants qui vont enseigner à la fois le français, les mathématiques, les sciences, l'histoire, la géographie, puis de les faire travailler sur des projets interdisciplinaires pour qu'ils apprennent à travailler ensemble, à voir l'apport justement des expertises et des regards divers. Alors, je pense que c'est bien qu'en Afrique et ailleurs, dans les pays visés, on prenne en considération cet élément. La collaboration, on ne peut pas s'en passer. Vu les défis auxquels fait face l'école et les enseignants, il faut apprendre à travailler ensemble puis avoir une responsabilité collective. OK, merci beaucoup. C'était la question donc de Madame Fatou Sané. Je suppose qu'elle est bien satisfaite. Il y a d'autres questions. Je ne sais pas, peut-être Muriel voudrait répondre à une question. Non, je pense que les éléments ont été apportés par les autres intervenants. Peut-être quand même la question des contenus. Hein, je trouvais aussi intéressant dans l'exposé de Richard Witorski, c'est que à la fois il y a le travail collaboratif, mais il faut aussi un lien avec des contenus. Hein, et une réflexion, quand on parle des résultats des élèves notamment, se pose à un moment aussi la question de s'interroger sur les processus d'apprentissage des élèves. Et là, on a peut-être besoin parfois de revenir un petit peu sur des aspects un peu plus théoriques que l'on analyse collectivement. Mais je crois que ça n'est pas suffisant
que de laisser la réflexion entre enseignants sans apport de contenu, aussi d'objet de réflexion. Et ça, ça me semble important aussi à signaler. Ce n'est pas parce qu'on va simplement échanger ensemble que les résultats des élèves vont s'améliorer. Il va bien falloir chercher des outils pour améliorer les résultats des élèves et donc savoir envoyer à un moment ou à un autre aussi sur des contenus. Ok. Alors, Maggie veut répondre à une autre question, celle de l'ingénierie de formation. Et j'en profite d'ailleurs par rapport à cette question de Patricia Nebout sur l'ingénierie de la formation peut-elle être contextualisée. Je la ramène aussi à la question posée par Saïd qui demandait si en milieu de travail en classe et dans une entreprise, est-ce que c'est le même type de professionnalisation? J'ai l'impression que c'est la question de la contextualisation qui est posée ici aussi. Ok, Marguerite. Oui, alors sur l'ingénierie de formation, bon, quand on parle d'ingénierie de formation, on voit tout de suite les quatre démarches, l'analyse des besoins, la conception de stratégies adaptées pour répondre aux besoins, les objectifs, la mise en œuvre et l'évaluation. Donc, je pense que une ingénierie de formation qui serait pas contextualisée ne répond pas à la démarche, hein, puisque il s'agit pas simplement d'un cadre formel, mais il s'agit bien d'analyser les besoins des situations intéressées et d'y répondre par une conception adaptée, par une mise en œuvre adaptée et une évaluation en lien avec les objectifs fixés. Donc, pour moi, toute ingénierie de formation doit être, excusez-moi, contextualisée. Alors, sur l'auto-formation, et ça rejoint un peu ce que disait Muriel tout à l'heure, l'auto-formation par le travail, donc c'est ça qui est posé, que ce soit en entreprise ou dans la classe, elle va se faire, bien entendu, à partir des questions rencontrées, des problèmes rencontrés. La personne va essayer de se trouver elle-même des réponses, mais seule, elle ne parviendra pas à répondre à toutes les questions qu'elle se pose. Elle aura besoin, en partie, de contenu, d'accompagnement, d'un travail avec d'autres, justement, pour se former. Alors que ce soit en entreprise ou dans une classe, je pense que la question de l'auto-formation reste la même. Jusqu'où peut-on se former en auto-formation ? Oui, bien sûr, c'est possible si on a les ressources à disposition. Et l'auto-formation est faite à partir des ressources mises à disposition. Mais l'appui sur les autres, les interactions, les pairs ou l'accompagnateur me semble primordial. D'accord. Ok, merci beaucoup. Alors, je pense qu'on a passé au travers de ces premières questions. J'en ai quatre autres que je vais vous signaler ici. Il y a la question de Valentine Guessin qui dit ceci, l'aspect analyse des pratiques des enseignants ne doit-il pas nécessiter une formation ou une initiation des enseignants à la méthodologie de la recherche en éducation pour leur permettre d'être plus à l'aise dans une posture réflexive par rapport à leurs pratiques? Ça, c'est la question de Nguessan. Ensuite, Tarsis nous dit ceci. Quelle différence entre un conseil d'enseignement et un CAP? Mais c'est une communauté, enfin, de... c'est un regroupement d'enseignants hein, qui travaillent ensemble, qui collaborent. Alors, ensuite, nous avons Mirendra Zoua qui dit ceci. Quel dispositif pour entraîner les enseignants novices à l'analyse des pratiques et pour les enseignants expérimentés, comment les aider à changer certaines pratiques qui sont devenues au fil du temps routinières? Question intéressante aussi. Nous avons Dolly. Est-ce que les activités éducatives des CAP doivent être permanentes, donc tout au long de l'année scolaire, ou ponctuelles? Si oui, comment peut-on les réglementer pour éviter l'anarchie qui pourrait s'installer si on a plusieurs groupes disciplinaires? Bon, voilà. Bon, je sais pas. Je pense qu'il était question d'une dizaine de questions. Nous sommes à 8, il y a un 9e qui se pointe. On peut peut-être patienter. Mais je viens d'énoncer là 4 questions. Alors, je ne sais, Gay est là.
Peut-être veut-il intervenir? Oui. OK. Oui, merci beaucoup. Peut-être sur la première question concernant c'est le conseil d'enseignement et les CAP. Je pense que quand on a entendu en fait la présentation du cas de la Côte d'Ivoire, on a beaucoup entendu parler de conseil d'enseignement et d'unité pédagogique. Mais également à travers les présentations qui ont été faites par d'autres pays, notamment au Sénégal, on a parlé de CAP. Il ne s'agit pas de communauté d'apprentissage professionnel au sens où on comprend cette notion, mais de cellule d'animation pédagogique. Mais toujours est-il qu'il s'agit à chaque fois de regroupement, de la constitution d'un collectif d'enseignants, et comme on l'a dit, ça peut être des enseignants d'une école sans distinction de domaine ou de cycle, ou bien de collectif qui regroupe des enseignants qui travaillent dans un même domaine, ou bien qui travaillent sur les mêmes en fait spécialités. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, c'est peut-être des problèmes de terminologie, mais il s'agit à chaque fois de regroupement de collectifs d'enseignants qui travaillent en collaboration autour de thématiques. Et en général, ce qu'on a constaté aussi, que c'est des organisations qui sont mises en place par le pouvoir institutionnel, par les autorités scolaires, toujours en général dans une approche un peu, comme on l'a dit, descendante, donc qui permet aux enseignants de se retrouver pendant une période, ça peut être 2 heures par semaine, ou comme au Sénégal, c'est 4 heures par mois, donc suivant une périodicité définie, pour en fait mettre en œuvre un plan d'action sur lequel il y a eu un consensus avec les autorités locales, régionales, pour qui concerne un peu le renforcement des capacités professionnelles des enseignants. Pour moi, donc, à mon niveau, je ne vois pas de différence du point de vue du contenu, mais c'est des terminologies qui changent en fonction des pays. D'accord. OK. Merci beaucoup, M. Gueye. Il y a une succession d'intervenants. Il y a professeur Joséphine qui demande la parole, ainsi que Maggie. Je pense qu'on commence par professeur Joséphine, ensuite Martial plutôt. Professeur Joséphine, ensuite Martial, et puis ensuite Marguerite. Je m'excuse, et parfois je ne fais pas très attention au défilé des chats à droite. Voilà. Écoutez, je ne sais pas à quelle question répondre, mais bon, je vais y aller comme ça. Je peux répondre à n'importe laquelle, en fait. Alors, je commence par la question de Tarsis en ce qui concerne la différence entre les conseils d'enseignants et les communautés d'apprentissage professionnel. Juste pour dire que selon la recension des écrits qu'on a fait et selon également les présentations d'hier pour les cas au Sénégal, les cas au Mali, on voit qu'il y a une diversité de terminologies, mais des fois pour dire à peu près la même chose. Alors, on parle de communauté d'apprentissage professionnel, il y en a qui vont parler de communauté d'apprentissage, de communauté de pratique, de communauté professionnelle, et hier, on entendait également les cellules d'animation pédagogique ou encore les centres d'animation des enseignants. Alors, le point commun, c'est l'accent sur la collaboration, comment travailler ensemble vers un but commun pour améliorer l'efficacité de l'enseignant, l'efficacité de l'école, mais aussi la réussite scolaire des élèves. Puis, l'autre question qui concernait les dispositifs, peut-être je vais avec Valentin qui a parlé d'analyse des pratiques. Est-ce qu'il faudrait former les enseignants à la recherche? Alors, on peut dire oui, mais les modalités ou la mise en œuvre peut être différente d'un programme à l'autre. Par exemple, quand on parle de pratiques réflexives, c'est quand même une façon un peu d'initier à une recherche sur sa propre pratique, une réflexion sur sa propre pratique. Pour d'autres, il y a ce qu'on peut appeler des planifications
de situation d'apprentissage, mais une planification qui est argumentée. C'est-à-dire que l'enseignant est appelé à aller chercher, mobiliser les différentes ressources pour mettre en valeur, justifier, fonder sa planification ou ses interventions. Ailleurs également, on voit que en fin de parcours de formation dans l'enseignant, il y a ce qu'on appelle un projet de faire une recherche action, un essai ou un mémoire, comme ici au Québec, qui initie les enseignants justement à s'interroger sur leurs propres pratiques. Peut-être je laisse la parole à d'autres, puis au besoin, je répondrai aussi à la question de 1000 sur dispositif d'entraînement des enseignants débutants et aussi comment dérouiller les enseignants d'expérience. D'accord, d'accord, merci. Pour l'instant, c'est Martial alors. Merci beaucoup. Ok, ben ça va être très rapide. Je voudrais revenir un peu sur la question qui a été posée sur le lien entre les CAP ou entre le travail collaboratif et la réussite des élèves. Ça, c'est un point de vue peut-être personnel. Ben, je crois que le travail collaboratif ou le fonctionnement en CAP ne devrait pas être essentiellement orienté vers l'identification de besoins de formation. À mon avis, l'entrée à privilégier serait les résultats des élèves ou le processus, comme Muriel l'a dit, le processus d'apprentissage. Donc, en fait, c'est ces apprentissages qui devraient susciter la réflexion au niveau du collectif, à savoir, ben, on a identifié des défis particuliers au niveau des élèves ou de certains élèves. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour aider ces élèves-là à progresser? Et donc, le point de départ. Donc, l'analyse des productions des élèves, l'analyse des résultats des élèves donne en fait l'orientation au travail collaboratif. Le but étant de, ensemble, voir par quelles voies et moyens est-ce qu'on peut aider ces enfants à progresser. Et ensuite, on va se poser la question, pour aider ces enfants, qu'est-ce que cela exige de notre part en tant qu'enseignant? Et donc, les besoins de formation vont être identifiés, besoins auxquels d'autres membres, des membres du collectif peuvent répondre, ou, comme on l'a vu dans le cas du Mali hier, faire appel soit à des encadreurs pédagogiques ou à d'autres personnes ressources dans le milieu ou dans la région. Donc, le point de départ pour moi, ça devrait être vraiment les résultats et les productions des élèves. D'accord. Merci, Martial. Je crois que maintenant, c'est Maggie. Et puis ensuite, on reviendra à Joséphine qui demande la parole depuis un certain temps aussi. Okay. Oui, alors sur l'analyse de pratique, il y avait deux questions. Le lien analyse de pratique et recherche. Alors, l'analyse de pratique, c'est une démarche de formation, mais c'est aussi une démarche de recherche. Alors, pour la formation, l'analyse de pratique, c'est pas simplement de l'échange entre des pratiques. Derrière, si on veut vraiment analyser et comprendre le fonctionnement de la pratique dans son rapport avec les apprentissages, et là je rejoindrai ce que disait Martial, eh bien il va falloir faire appel pour problématiser la question à une théorisation. Et derrière, il y a des modèles de recherche. Derrière, il y a des interprétations, modèles didactiques, modèles divers, pédagogiques et autres, qui vont permettre de mieux comprendre la pratique. Donc derrière, il y a des outils d'analyse de pratique qui sont des outils conceptuels issus de la recherche. Quant à la recherche elle-même, on peut faire de l'analyse de l'enseignement-apprentissage en recherche, comme j'ai fait pendant des années, pour comprendre justement le fonctionnement des différentes pratiques, en particulier des pratiques collaboratives. Alors la deuxième question, c'était sur les dispositifs de formation. Ils sont multiples, je crois que Joséphine en a un peu parlé. Ça peut être effectivement, comme on l'a vu au Sénégal, à partir d'enregistrements de séquences de classe, donc de vidéos qui donnent une trace de l'activité en classe, de la pratique, et qui permet de l'analyser, mais ça peut être aussi des enregistrements audio ou des verbatims, une transcription ou une narration de la pratique, ou un écrit réflexif comme un mémoire, ça a été abordé. Tout cela sont des dispositifs qui vont permettre de réfléchir sur sa pratique. Et l'intérêt de cette réflexion sur la pratique, c'est pas simplement de la changer, c'est de voir quel est le lien et l'effet, l'impact de cette pratique sur les apprentissages des élèves
pour bien sûr la transformer en vue de la réussite des élèves. Je rejoins Martial. Ok, merci beaucoup Maggie. Joséphine, bon, peut-être un peu rapidement parce que je sens qu'on est en train de mordre un peu aussi sur le temps. Voilà, et il y a deux dernières questions que je voudrais mettre sur la table pour en finir. Bon, en tout cas, je vais essayer d'être rapide. Je commence par la dernière intervention de Maggie qui est très intéressante. Et j'ajouterai à cela, par exemple, qu'il y a des modèles justement de formation axés sur l'apprentissage expérientiel. Je rappelle ici le cycle d'apprentissage de Kolb, où on commence par une expérience concrète, une réflexion sur cette expérience, une conceptualisation, puis l'expérimentation. Cela veut dire qu'à travers cela, il y a le lien avec la recherche, puisque on va se nourrir des écrits pour arriver à conceptualiser, à interpréter, puis décider ce qui peut être mis en place à titre d'expérimentation. Pour revenir à l'intervention de Martial, qui insiste beaucoup sur l'accent sur la réussite des élèves, la production des élèves. Je suis bien d'accord parce que le but ultime, c'est effectivement d'améliorer la qualité des apprentissages et la réussite des élèves. Mais il y a quelque chose quand même qu'on ne doit pas oublier. L'enseignant, c'est un humain. C'est une personne et son bien-être et son sentiment de compétence et d'efficacité va avoir une influence sur son efficacité réelle en classe et donc indirectement sur la réussite des élèves. Alors, certains points de départ peuvent être juste en lien avec le bien-être de l'enseignant, en lien avec son besoin de formation, mais sachant que le but ultime, c'est que ça se passe bien dans la classe. Merci. D'accord. Merci, professeur. Alors, il y a Muriel qui vient intervenir, mais juste avant, Muriel, si vous permettez, je vais mettre sur la table les deux dernières questions que j'annonçais tout à l'heure. Il y a la question de Adrien qui demande « Quelle différence faites-vous entre les ateliers d'intégration et le travail collaboratif en formation initiale ?» La dernière question que j'ai sous la main, c'est la question de Ibrahima Nias. « Les plateformes virtuelles d'échange peuvent-elles se substituer efficacement aux rencontres de cellules d'animation pédagogique ?» Voici donc les deux dernières questions que j'ai sous la main. Ah oui, il y a une toute dernière qui s'est ajoutée. Adrien Makaya demande « La réflexivité n'est-elle pas le noyau central de tout travail collaboratif entre enseignants ?» En fait, une sorte de théorisation de la pratique pour la compréhension, comment les élèves apprennent. Bon, alors voilà les trois questions. Muriel, on commence par vous. Oui, ben je rebondirai sur la dernière question. Et ça rejoint aussi ce que disait Martial sur les résultats des élèves. Je trouve l'intérêt en fait de l'analyse des pratiques professionnelles, c'est de pouvoir décentrer le regard de l'enseignant sur le travail effectif réalisé par les élèves quand on observe une séance, quand on est extérieur à son geste professionnel. Et du coup, par exemple, dans l'expérience du Sénégal, ce qui était intéressant, c'est de pouvoir observer des vidéos et d'avoir des grilles d'observation qui portent non pas sur le geste professionnel de l'enseignant, mais sur ce que font les élèves dans la classe. Et ça, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant et on rejoint là toute la réflexion à avoir pour chercher à améliorer les résultats des élèves et le travail qu'ils effectuent effectivement dans la classe. Et bien souvent, quand on n'a pas cette distance, quand on n'est pas, on a du mal dans l'acte d'enseigner à vraiment se rendre compte de cela. Voilà, c'était juste ce témoignage-là. D'accord, merci beaucoup, Muriel. Alors, Joséphine demande la parole. Oui. Oh, ok, c'est correct. Là, je peux répondre à la dernière question qui est en lien avec l'utilisation des plateformes ou du virtuel versus ce qui serait présentiel, si je peux résumer ainsi. C'est sûr que présentement, il n'y a pas beaucoup de recherches qui mettent en évidence l'efficacité supérieure des pratiques virtuelles versus les pratiques en présentiel. Toutefois, on a montré quand même quelques avantages de ces pratiques virtuelles, notamment pour les milieux éloignés, les petites écoles, les lieux où on a la difficulté à accéder à des ressources ou à avoir un capital, je sais pas moi, humain suffisant pour bénéficier d'un répertoire de pratiques large. Donc, à ce niveau-là,
des plateformes de discussion, d'échange, des banques de situations d'apprentissage, ça va être très utile. Mais la recherche doit continuer de ce côté-là et peut-être jamais on ne remplacera quand même les rencontres aussi en personne pour sentir la chaleur humaine. En résumé, ce serait ça. Il y a vraiment des apports. Mais peut-être que si on peut concilier les deux pour aller chercher les apports, la plus-value de chaque modalité, ça pourrait être gagnant. D'accord. OK, merci beaucoup. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Peut-être M. Ndoli nous rappelle qu'on n'a pas répondu à sa question. Est-ce que les activités éducatives des CAP doivent être permanentes ou ponctuelles? Donc, il est revenu là-dessus. Peut-être qu'on n'y avait pas répondu, je ne sais pas trop. Quelqu'un a-t-il une réponse? Baba, Amadou demandait la parole. Oui, ouais. Merci. C'était surtout sur par rapport aux plateformes virtuelles. Hein? D'accord. Parce que là, je pense que par rapport à ce contexte surtout actuel, hein, où aujourd'hui, cette année, on s'est rendu compte que nos cellules d'animation pédagogique ont rencontré des problèmes pour organiser des sessions de formation liées au contexte de COVID. Donc ça devient maintenant, les plateformes-là, ça devient un palliatif pour permettre à ces organisations de continuer à fonctionner. Et on avait évoqué dans le cadre de la Côte d'Ivoire qu'il y avait une deuxième étude, un peu, qui portait sur l'utilisation de ces plateformes-là virtuelles entre enseignants qui ont constitué un réseau d'échange pour, en fait, à partir de cette plateforme-là, élaborer des fiches pédagogiques sous la supervision d'un conseiller pédagogique. Donc, ils ont mis en place une cellule virtuelle qui leur a permis un peu d'échanger et de travailler en collaboration. Et en même temps aussi, je sais qu'au Sénégal, après avoir élaboré les modules de formation et d'autres formations sur support physique, maintenant on est allé vers la numérisation et la didactisation de ces outils en utilisant des classes virtuelles. Donc ça aussi, c'est des opportunités qui aujourd'hui sont offertes aux acteurs pour continuer à faire fonctionner les cellules d'animation pédagogique. Maintenant, quant à savoir si l'activité de la cellule d'animation pédagogique, ça doit être quelque chose de ponctuel ou bien de pérenne, de toute façon, on a dit que c'est des activités qui entrent dans le du processus un peu de formation continue des enseignants. Et ce qu'on a vu en général, dans beaucoup d'États, c'est presque une obligation un peu pour les enseignants de participer à ces rencontres-là au cours de l'année scolaire. Maintenant, le problème, c'est au niveau des contenus. Il faudrait que maintenant, ces contenus-là soient véritablement adaptés aux besoins auxquels sont confrontés d'une part les enseignants et aussi les difficultés qu'ils identifient au niveau des résultats des apprentissages des élèves. Et là aussi, on revient un peu ces deux dimensions-là qu'il faudra prendre en compte dans le cadre de cette professionnalisation des enseignants, prendre en compte leurs besoins pour leur plan de carrière, mais aussi surtout mettre l'accent sur, en fait, les difficultés auxquelles les élèves sont confrontés. Ça veut dire que donc, durant, en général, toute l'année scolaire, c'est des activités qui vont se poursuivre pour permettre un peu de couvrir les besoins qui ont été identifiés au niveau de ces organisations. D'accord. Ok, d'accord. Merci, Monsieur Gay. Martial demandait d'ailleurs à répondre aussi à cette question. Je ne sais pas si la réponse donnée par Gay lui interdit toute parole maintenant, ou alors je profite d'ajouter une autre question, Martial, avant que tu prennes la parole. Une question de Adrien qui dit ceci. Un leadership fort n'est-il pas un obstacle à la participation? Ok, ouais. Mais juste un ajout à la réponse que Gaysay a donnée. En fait, à savoir si les activités doivent être permanentes ou ponctuelles, si on retourne à la présentation que Joséphine a faite avant-hier, et on voit là-dedans qu'il y a des stades de développement des communautés d'apprentissage professionnel. Et que ça peut prendre du temps pour arriver au cinquième stade, celui de la socialisation et du rayonnement. Donc, à mon avis, les activités ou en tout cas le fonctionnement
devrait avoir une certaine permanence pour justement installer la culture de collaboration. Et bien entendu, il faut une diversité d'activités parce qu'on ne peut pas maintenir en tout cas l'intérêt, la motivation en faisant la même chose. Donc, la communauté est appelée à grandir et à changer de focus selon les circonstances, justement selon les difficultés qu'on repère au niveau des élèves. Donc, à mon avis, ça ne devrait pas être un travail ponctuel, mais un travail continu durant une année scolaire et idéalement durant plusieurs années scolaires pour que cette culture se mette en place. OK. Voilà. Bon, merci beaucoup. Et le leadership fort, bon, je passe à... oui, parce que Joséphine aussi demandait la parole sur la même problématique. Alors donc, le leadership fort qui est un obstacle à la participation et puis à quelle différence entre les ateliers d'intégration et le travail collaboratif en formation initiale. Professeur Joséphine? J'y vais avec la dernière question d'Adrien. En ce qui concerne le leadership fort, n'est-il pas un obstacle à la participation? Alors là, je dirais, ça dépend de ce qu'on entend par leadership fort. Si c'est un leadership fort qui est écrasant, qui empêche aux gens de réfléchir, de participer aux décisions, de mettre à contribution leurs compétences, leur expertise, ça, ce sera un leadership qui va justement démobiliser plutôt que mobiliser le personnel. Avant-hier, je crois, on avait présenté justement sur l'importance du leadership sur l'efficacité et le succès des communautés d'apprentissage professionnel. Et ce leadership, il peut être fort, mais au sens d'un leadership de soutien, un leadership distribué entre les différents membres, un leader qui est un leader de leader, qui laisse émerger d'autres leaders pour le mieux de l'école et de la communauté d'apprentissage. Donc, notre texte, je crois que sera intéressant à lire. Mais j'ajouterais que ces leaders-là, ils n'ont pas toujours justement la formation sur le type de leadership qui peut être positif. Et donc, j'ai apprécié que dans la présentation du cas du Mali, justement, ils avaient conscience de former aussi les directions d'école ou les supérieurs. Voilà. D'accord. OK. Bon, écoutez, donc on a beaucoup discuté. C'est très, très intéressant. Les questions sont pertinentes, elles sont intéressantes. Les échanges, les réponses sont très instructives. Alors donc, mais le temps aussi passe. Nous sommes un peu obligés de suspendre là cette séance de questions-réponses. Et je vous avais annoncé dès le départ le troisième moment de cette dernière séance, qui est l'intervention, je veux dire, bilan hein, de l'ensemble du séminaire qui a eu lieu depuis le 23 jusqu'à aujourd'hui. Et cette intervention doit être assumée par M. Adotevi. Mais étant donné, M. Adotevi, je vous demande juste un instant pour que nous puissions accorder à la demande de certains la possibilité aux membres du panel qui ont tous été là, en fait, depuis le début aussi de ce séminaire, pour un ressenti, bref ressenti, s'il vous plaît, avant que vous n'interveniez pour faire le bilan global. Ça peut aller comme ça, M. Adotevi? Ouais, pas de problème. OK. Si vous le permettez. Donc, alors, par ordre, peut-être je vais prendre l'ordre inverse hein, de ce qu'on avait fait tout à l'heure pour les ressentis. Tout à l'heure, on avait commencé par Maggie. Je crois que là, on va commencer peut-être par Joséphine. Joséphine, une minute par personne pour le ressenti de l'ensemble du séminaire. Et puis ensuite, on va revenir à Amadou et puis ainsi de suite en montant jusqu'à Alté avant de donner la parole finale maintenant à M. Adotevi. Bon, peut-être rapidement, moi, je pourrais dire que j'ai apprécié vraiment ce séminaire, même s'il est en virtuel, mais je l'ai apprécié et j'ai trouvé en ce séminaire, justement, une opportunité de partager les connaissances, une opportunité de partager les expériences qui sont en cours dans différents pays. En ce sens-là,
Je crois que c'est une initiative à récidiver. C'est ça. Puis, D'accord. j'ai apprécié également le fait que les personnes parlent de leurs expériences, ils parlent de leurs retombées, mais ils parlent également des défis, puis des perspectives pour le futur. Et j'ai senti l'importance peut-être de continuer à soutenir les initiatives qui sont en cours, que ce soit au niveau des expertises à offrir, que ce soit au niveau encouragement, mais que ce soit également au niveau financier. Puis l'autre élément, c'est que ces expériences qui sont riches, il faut trouver une façon aussi de les faire connaître au-delà des séminaires, notamment par peut-être de l'écriture. La diffusion au moyen de publications, que ce soit dans des petites revues professionnelles, que ce soit une page, mais je pense que la communauté grandit en prenant connaissance de ce que d'autres font, en y réfléchissant. Puis donc c'est une forme de collaboration puis de partage d'expériences et de ressources. Alors moi j'ai vraiment apprécié beaucoup. Je suis satisfaite d'y avoir participé. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Gay, si vous avez quelque chose à dire, hein, mais je sais pas. Ah, j'ai l'impression que Monsieur Gay n'est plus avec nous. Oui, si, je suis là. D'accord. Oui, c'est aussi un sentiment de satisfaction, hein, véritablement par rapport à tous ces échanges très fructueux qui tournent autour du travail collaboratif et véritablement. Quand on s'est référé au premier exposé qui a été en fait fait par Joséphine, qui montre déjà les formes de travail collaboratif et un modèle, hein, la communauté d'apprentissage professionnel, avec tous les outils là dont elle a fait cas et les dispositifs. Et dans les travaux, on a, avec les études de cas, on a vu que il y a différentes formes de structures qui sont mises en place au niveau de ces pays. Et là aussi, ces échanges-là nous ont permis de voir un peu l'écart qu'il y a entre les structures qui sont mises en place et peut-être cette forme de travail collaboratif, cette forme idéale, hein, vers laquelle peut-être on devrait pouvoir tendre. Et donc, ça va constituer un peu pour nous une référence qui va nous guider pour un peu, en fait, redynamiser encore les structures qui sont mises en place. Pour dire véritablement que c'est un travail très utile et qu'il faudrait peut-être capitaliser au niveau des pays pour améliorer le fonctionnement de ces cellules d'animation pédagogique, conseils d'enseignement, etc. Et même, y compris aussi, au Burundi, les réseaux scolaires, je pense que véritablement, on devra profiter de tout ce qui est engagé ici pour procéder à la redynamisation de ces structures. Merci. D'accord. Merci, M. Gay. Martial? Voilà. Rapidement, en tout cas, je souscris à tout ce qui a été dit par rapport, en tout cas, à la satisfaction à la fin de ce séminaire. Je trouve que les échanges ont été vraiment stimulants, très riches et amènent à poursuivre la réflexion. Un élément qui a particulièrement retenu mon attention, c'est qu'on voit que dans les différents pays, l'approche ascendante est en train de prendre racine. Pendant longtemps, on a quand même fonctionné de façon descendante. On voit que il y a ce couplage-là qui est en train de se mettre en place, mais il y a quand même nécessité de poursuivre pour faire plus de place à cette approche ascendante. Et je remarque, par exemple, que dans les témoignages qu'on a écoutez, ce sont les encadreurs qui ont parlé et j'espère que à une autre occasion, ce seront des membres des communautés elles-mêmes qui vont prendre la parole pour partager avec nous, en tout cas leurs expériences. Mais je trouve que c'est bien parti. Je terminerai par peut-être une recommandation. Fait dans la foulée de Richard et Joséphine pour dire que il faut poursuivre ou en tout cas mener des activités de recherche sur ce qui se passe dans ces cellules. Et
à mon avis, les écoles normales supérieures ont un rôle à jouer dans ce sens. Les enseignants-chercheurs pourraient s'intéresser au fonctionnement de ces cellules, aux retombées pour les enseignants et pour les élèves. Donc, je terminerai avec ça et dire merci également à tout le monde. D'accord. Merci, Muriel. Muriel? Ben, moi aussi, je souscris à tout ce qui a été dit et je ne vais pas non plus prolonger les débats inutilement. Je pense que ce séminaire a suscité aussi l'intérêt de beaucoup de participants et c'est eux que j'ai envie de saluer parce que les questions posées étaient très pertinentes. Donc, voilà, et je pense que c'est un bon indicateur. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors, Maggie? Oui, ben je souscris totalement à ce qui a été dit. Moi, je dirais que ce qu'on a vu dans les études de cas, c'est que ces pratiques collaboratives, elles existent, qu'un certain nombre d'étapes sont mises en place, que les ingrédients sont là, aussi bien ce que rappelait Martial, qui me semble fondamental, cette question de la formation continue de proximité avec ce qui vient du terrain et donc ce modèle ascendant qui a pris sa place et qui demande à être développé, bien entendu, que la place du leadership pédagogique, que ce soit des directeurs d'établissement qui restent à former pour certains, on l'a vu au Mali, ou des accompagnateurs, inspecteurs, encadreurs, ou que ce soit, alors là, je dirais, au niveau de l'adhésion des enseignants, ça a été soulevé dans certains cas, l'importance de se centrer aussi sur la valorisation du métier, c'est ce que je soutenais dans ma conférence, parce que cette valorisation du métier, si elle n'est pas financière, il est important qu'elle existe au niveau de la motivation, et ça, c'est lié au progrès des élèves, aux bons résultats que l'enseignant obtient dans sa classe, qui lui redonne confiance en son métier, et la professionnalisation, elle se situe là. D'accord. Merci Maggie, merci à tous. Je m'associe à tout ce que vous avez dit pour saluer l'organisation de ce séminaire, son initiative, la manière d'ailleurs dont elle a été conduite, en lien ou en isomorphisme, pour reprendre un terme cher à Maggie aussi, de la question de l'interaction entre théorie, pratique, théorie, parce qu'on a vu des apports théoriques, on a vu des cas pratiques, on a vu l'analyse de ces cas-là. Et je pense qu'on est resté dans la logique de ce qui est cher au programme Apprendre. Alors, cela dit, je note aussi l'émergence d'un certain nombre de questionnements qui transcendent ce groupe thématique et qui pourraient intéresser le groupe d'expertise thématique 6 sur la formation initiale, parce que la question est revenue de savoir est-ce qu'on ne pourrait pas préparer déjà les enseignants à collaborer avant qu'ils soient, les futurs anciens à collaborer avant qu'ils soient sur le terrain. Je crois que ça, c'est aussi une question à prendre à bras le corps, pour voir comment les choses doivent pouvoir se dérouler. En tout cas, merci à vous. Merci, chers auditeurs participants, d'avoir été là au courant de cette demi-journée et depuis le début du séminaire. Alors, mais une voix plus autorisée que la mienne va vous le dire très clairement, ces remerciements. Il s'agit donc de passer maintenant la parole pour le mot de la fin à M. Adotevi. M. Adotevi, vous avez la parole. Merci, Madame Afsata, d'avoir dirigé ce panel-là de dur avec cette dextérité. On aurait aimé continuer. Hein. Moi, j'étais là, bien assis. Oui. C'était très intéressant. Hein. C'est la temps d'être retraité. Et dans le même temps, les questions soulevées par ce panel sont d'intérêt vraiment capital. Et dans ma collaboration, qui est déjà près de 3 décennies avec Martial, ici un pur et dur, et qui veille au bien-être de l'enseignant. L'expression a été utilisée par Joséphine, je la remercie. Il faut bien s'arrêter et poursuivre la réflexion chez nous et avancer sur cette thématique. Donc Jean de TV, c'est avec plaisir que nous allons faire un peu le bilan de ce séminaire et des leçons. Donc, de façon plus formelle, mon cher participant à ce troisième séminaire international du programme Apprendre, chers membres du conseil scientifique, chers membres du groupe thématique d'expertise,
chers membres de la coordination du programme Apprendre, mesdames et messieurs les experts et expertes des différents piliers du programme, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur, en ma qualité de coordonnateur thématique respective sur l'appui au collectif enseignants et communautés d'apprentissage en milieu scolaire et en réseau, de prendre la parole au nom des autres membres du groupe et du référent du conseil scientifique pour vous exprimer notre profonde gratitude d'être vu confier le mandat de contribuer au contenu scientifique de ce troisième séminaire international qui traite justement de la thématique des communautés d'apprentissage. Les enseignants constituent l'un des quatre facteurs déterminants de la crise de l'apprentissage telle que rapportée par l'équipe du rapport sur le développement dans le monde 2018. Les partenaires techniques et financiers internationaux dont l'AUF tente d'y apporter des réponses dans diverses parties du monde à travers des initiatives telles que le programme Apprendre. Ce programme a mis le doigt sur l'une des voies de la professionnalisation des enseignants, se collaborer, se professionnaliser en collaborant. Le thème est évocateur de plusieurs concepts et notamment la formation continue de proximité, les contenus largement évoqués au cours de ce séminaire, l'école et ses acteurs comme communauté d'apprentissage, le leadership pédagogique partagé entre le chef d'établissement scolaire, l'équipe d'accompagnement pédagogique, l'équipe enseignante, la culture scolaire collaborative et la collaboration enseignante. Au cours de ce séminaire, nous avons eu droit à une conférence d'ouverture, une revue de littérature, vue d'ensemble de 8 cas nationaux et une conférence de clôture, toutes éclairantes sur le concept du travail collaboratif des enseignants, organisé en collectif enseignant, en communauté d'apprentissage professionnel CAP. Question des expériences de CAP présentées par 5 pays nous a offert un paysage bien nuancé de la réalité du travail collaboratif des enseignants au sein de collectifs qui se sont constitués à l'initiative de ces enseignants, de leurs accompagnateurs ou impulsés et par des voies et textes administratifs. La prépondérance du rôle des qui accompagnent ou soutiennent les activités d'apprentissage des enseignants a retiré l'attention dans les cas analysés. Occasion la question de l'autonomie des CAP, malgré les limites relevées. Les 8 cas que nous avons eu l'occasion d'analyser ouvrent des perspectives sûres quant à leur développement futur en des espaces de travail collaboratif des enseignants, dans le sens où les chercheurs le définissent. Les leçons apprises. Prise des riches échanges au cours de ce séminaire nous conduisent à la réflexion sur l'état actuel de la pratique du travail collaboratif dans les pays qui en ont présenté des expériences. Nous posons une question. Peut-il contribuer au travail collaboratif dans l'état actuel dans les pays? Peut-il contribuer à la profession des enseignants? Nous pouvons y croire, mais à certaines conditions. Par exemple, interroger l'approche CAP, réduite à des exceptions près. Nous avons observé quand même des cas comme celui du Sénégal. Alors, l'approche CAP, qui est plutôt réduite à la formation, pour explorer des voies de professionnalisation autres que les formations de proximité sur l'acquisition ou le renforcement des connaissances disciplinaires, didactiques et pédagogiques et qui font l'objet
des formations continues tirées par des corps d'encadrement. L'autre condition, c'est de créer les conditions d'appartenance à une communauté de professionnels engagés dans des apprentissages professionnels. Car nous savons que de l'entrée dans le métier à la sortie, pour cause d'admission à la retraite, les besoins de professionnalisation ne sont pas les mêmes. L'avantage d'une CAP, c'est qu'en créant la confiance et les conditions nécessaires de partage d'expérience, le travail collaboratif permet de satisfaire les besoins des uns et des autres à différentes étapes du parcours professionnel. Si les pays au meilleur résultat ont des pratiques collaboratives, comme vous l'avez signalé et dans le propos d'ouverture du professeur Arte, et si le cas de la Finlande justement a été souvent cité, c'est parce que ce pays recrute des candidats au métier enseignant parmi les meilleurs en termes de qualification universitaire. Ça veut dire entrer de bon pied dans le métier. Par ailleurs, dans la revue de littérature, nous observons que la pratique collaborative est institutionnalisée et que l'idée d'organisation apprenante, appelée plus tard communauté d'apprentissage, est présente dans le discours et la pratique de l'éducation finlandaise depuis les années 1970. En conséquence, il faut savoir quels sont les facteurs qui favorisent les pratiques collaboratives. Les facteurs humains ont été nommés. Prions y ajouter l'engagement politique traduit au niveau macro-institutionnel et qui se répercute au niveau des structures déconcentrées et micro des écoles. Nous notons aussi que l'écosystème de la formation initiale a la vertu d'installer des compétences d'entrée dans le métier. Et ce mythe des référentiels de compétences prescrits et par la voie de la formation magistrale, selon l'expression du professeur Hutton. Les compétences développées à l'occasion sont d'ordre disciplinaire et didactique à la limite. En cours d'emploi, les compétences professionnelles se construisent et s'affirment, non plus uniquement par la formation, mais par l'auto-formation, la recherche, le questionnement sur les pratiques de classe, qui constituent autant de voies de la professionnalisation. Et ce séminaire a bien fait de mettre en lumière ces autres voies qu'on devrait pouvoir explorer pour la professionnalisation des enseignants. Autant de leçons apprises durant ce séminaire. Des préoccupations ont été également exprimées, notamment celle du manque de ressources et de moyens pour soutenir l'action des équipes de soutien pédagogique au collectif enseignant, afin de rompre la chaîne des freins lorsque trop peu de ressources sont mises en place pour le travail des collectifs enseignants et que les moyens de mobilité pour les visites d'établissement. Ces problèmes ont été signalés dans les cas présentés. Pour les perspectives se présentent, terminons notre propos sur les appuis et les outils que le GTE pourrait rendre disponibles qui veulent redynamiser les collectifs enseignants existants pour en faire de véritables communautés d'apprentissage professionnel. Monsieur Geisei a mentionné hier le travail qu'il a réalisé au Burundi en lien avec le fonctionnement scolaire. Les leçons apprises de ce travail pourraient être partagées avec d'autres pays intéressés. Et un appui conseil et envisageable selon des modalités à déterminer.
Par ailleurs, le document de synthèse des écrits est sur les CAP, fait par les professeurs Luca Morera et Dembélé, sera bientôt accessible au grand public. Les 8 études de cas, dont une revue d'ensemble, pardon, une vue d'ensemble, vous a été présentée, seront et feront partie des actes du séminaire que le programme publiera dans un futur proche. Dans les médias, à fournir aux personnes intéressées les informations permettant d'accéder aux ressources et aux outils dans la synthèse des écrits, notamment les outils élaborés par l'Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens au bout de 3 années de recherche. Pour clore, nous adressons nos vives félicitations à tous les intervenants, aux modératrices, aux participants, aux expertes et experts nationaux et internationaux, et surtout à l'équipe technique de l'événement qui a su déployer les moyens technologiques de haute qualité et pour tenir ce séminaire en webinaire et de façon très professionnelle. Un grand merci à la coordination du programme Apprendre. En particulier, Mesdames Johanna Gadrel, Sophie Dobos et Naminata Dukouré, et pour l'organisation de cet événement et pour l'occasion qu'elle a ainsi offerte à la communauté des professionnels de l'éducation que nous formons, réfléchir plusieurs jours durant dans l'actualité et la pertinence ne sont plus à venir. Je vous remercie. Merci. Les pays d'Afrique subsaharienne ont accompli des progrès considérables en matière d'accès à l'éducation depuis les années 2000. Toutefois, l'apprentissage des élèves demeure fragile, notamment en lecture et en mathématiques. L'enjeu de la qualité de l'éducation est crucial pour l'avenir des systèmes éducatifs et des jeunes générations. Le développement professionnel des enseignantes et des enseignants en relation avec leurs pratiques de classe est donc déterminant pour répondre aux difficultés d'apprentissage des élèves. Le programme Apprendre accompagne les ministères de l'éducation de 26 pays francophones en matière de renforcement des capacités des enseignants du primaire et du secondaire. À la demande de ces pays, Apprendre mobilise un réseau d'experts et de partenaires pour des missions de formation, d'audit, de diagnostic et d'ingénierie destinées aux directions techniques des ministères de l'Éducation. Le programme privilégie 4 modes opératoires, des missions d'expertise à la demande des ministères de l'Éducation, des ateliers de formation destinés au cadre du système éducatif et aux formateurs d'enseignants, des projets de recherche en éducation, des activités et événements scientifiques de partage d'expériences et de valorisation des savoirs. L'identification des actions à mener s'appuie sur le recueil des besoins des acteurs dans une démarche partenariale fondée sur le dialogue et l'échange. L'AUF est chargée de coordonner le programme en répondant aux demandes des pays éligibles et en animant le dispositif d'expertise et de mise en réseau à l'international. Apprendre est une réponse innovante et transversale aux défis de l'éducation en Afrique subsaharienne, au Maghreb, en Haïti, au Liban et dans l'océan Indien. Plateforme d'expertise souple et fédératrice, Apprendre soutient les politiques publiques essentielles des pays partenaires en faveur du renforcement de la qualité de l'éducation, de la cohésion sociale et d'un développement inclusif et durable des sociétés.